Approchez-vous à la barrière. Approchez-vous, 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 approchez-vous. Et regardez, Bernard, il le remonte. Il y a des bestioles. Il est où? Attends, Lulu, elle va te prêter. C'est trop tard. Lulu, elle va te prêter. On va partager. On va se... Non, c'est trop tard. Allez. Dans mes mains, en fait, j'ai deux choses là. Une première qui est de quelle couleur? Jaune. Ça, ça s'appelle de la paille. La paille, c'est la tige d'une plante qu'on appelle le blé. On en verra tout à l'heure. Et la paille, c'est le lit, c'est la litière des animaux. C'est ce qu'on leur met par terre. Ici, c'est de quelle couleur? Oui, ça s'appelle du foin. C'est de l'herbe qui a poussé dans un pré, qu'on a coupé, on l'a fait sécher, et ensuite on la met en botte, une botte de foin. Elle du blé. Regardez bien la petite graine de blé. C'est sur le principe d'une inscription. Chacun vient, s'inscrit et vient avec ses enfants, ses petits-enfants. On visite la ferme, il y a un contact avec l'animal, on les caresse, on découvre donc plein de choses au niveau de la ferme, on leur donne à manger et on découvre plein de plaisirs d'autrefois. Alors, chez Bernard et Pierrette, tous les animaux de la basse-cour, la poule, la famille poule, la famille canard, les oies, pintades, les chevaux, chevaux de trait, il a également une mule, Bernard, qui s'appelle Bianca. Ensuite, lapin, pigeon, tous les animaux qu'on peut trouver dans une ferme traditionnelle. À partir de 3 ans, même plus petit éventuellement, jusqu'à peu près 11 ans. Et les parents sont conviés et partagent aussi ces moments-là avec leurs enfants. Margot, elle a un coq, donc cette race-là, ça s'appelle un bantam de Pékin. Vous allez pouvoir toucher sur chaque animal la crête. Ensuite, les barbillons. Vous pourrez toucher son petit bec, toucher ses pattes et bien sûr lui faire une petite caresse. Recule. On ne peut pas toucher. Regardez la lapine. La lapine, elle a construit son nid en enlevant ses poils de son ventre.